Alors Hamilton, et on va faire Russell en même temps d'ailleurs. Je vous invite à vous abonner à TBF1 Mercedes News, hein, c'est là que je fais les lives en plus. Et c'est les actus Mercedes, 100%. Alors Lewis, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Nous nous efforçons tous de terminer premier. Je pense que ça sera juste une démonstration de résilience, de force et de profondeur de la part de notre équipe. Je pense que nous avons eu une année difficile l'année dernière, même au début de cette année, on ne s'attendait pas à être là où nous sommes. Devant de Red Bull, car Verstappen part aussi derrière Hamilton. Je ne sais pas si nous allons rattraper Sergio au championnat, mais compte tenu de la différence de nos voitures tout au long de la saison, je suis vraiment fier du travail que nous avons accompli. Alors, franchement, là, il va falloir marquer des gros points encore, hein, parce que Perez, il a l'air en difficulté. Donc, il y a potentiellement des points à reprendre ce week-end, j'espère que ça va le faire. Nous devons juste garder la tête baissée, continuer à nous battre, continuer à pousser, comme le dit Charles, ils ont beaucoup de travail à faire, tout comme nous. C'est donc une course de développement. C'est ce qui arrivera au sommet de la montagne pour l'année prochaine, je suppose. Très bien. Alors, Russell. Moins bien, hein, au sol pour le coup. Une journée vraiment difficile, j'avais pas le rythme et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je remarque définitivement que les évolutions sont des améliorations, mais c'est un vendredi étrange. C'est moi qui prendrai le blâme ici. Je dois juste travailler dur pour comprendre pourquoi je n'étais pas aussi rapide que je pense pouvoir l'être. Je suis quand même assez content de la P5 parce qu'à certains moments il semblait que nous n'allions pas faire la Q3. Mon dernier tour est vraiment sorti de mes orteils. J'ai fait une petite erreur au premier virage, ce qui m'a coûté une autre position sur la grille. En regardant envers demain, nous pouvons avoir un bon sentiment, à l'exception du Qatar, le sprint shootout du samedi matin se déroule généralement mieux pour nous. Je prends tous ces points positifs et essayer de trouver un peu plus de vitesse ce soir. Bon, de toute façon, on remet ça tout à l'heure, hein. 19h30, qualif, et minuit, course sprint, voilà. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, et Mercedes, plutôt solide, hein, plutôt solide. Et ils sont devant les deux Red Bull pour l'instant, je dis bien. Donc c'est plutôt positif. Allez, on verra bien ce que ça donne, ciao.